sincèrement qu'il a dit le beau Alex. En attendant, qui c'est qui s'y colle, les arracher les touffes une par une à la main. C'est Bibi. Allez, Nîmes. Tu as vu ça? Quoi? L'article sur le vin. Ben quoi, c'est pas vrai. Mais le vin serait cancérigène à partir de 3 verres par semaine. Et alors le temps, ils nous auraient enterré alors. Ah, je comprends pas. Quoi? Qu'on soit encore vivant? Mais non, c'est le pourcentage. Ils disent que le cancer a augmenté de 32%. Ben alors? Eh bien alors, les viticulteurs te diront que la consommation du vin a diminué de 30%. Oh, je crois qu'une pause s'impose, hein. Tu saisis, c'est pas cohérent tout ça. Ben si, bien sûr, je saisis, mais c'est pas à cause de nous, hein. Tiens, je le sais à nous. Il y aurait un petit coup à boire pour un travailleur de force. C'est pas une bonne publicité pour nos viticulteurs. Ah, c'est sûr qu'ils n'avaient pas besoin de ça, hein, les pauvres. Ouais, ça cache quelque chose. Ouais, ça cache que c'est pour mieux nous faire passer la réglementation sur l'alcool au volant à taux zéro, vous verrez. Ah oui, c'est pas que au volant, hein. À pied, même, en vélo, partout, ils vont nous faire souffler. C'est kafkaïen, tout ça. Oh, Félix, sois pas vulgaire. Oui, sois poli avec nous, Félix. Ben quoi, vous connaissez pas Kafka? Tu t'intéresses au footballeur, maintenant? C'est pas Kafka, c'est caca, ils connaissent mis là. Ouais, c'est pas cacaïen, alors c'est cacaboudin. Ah, mais non, franchement, vous allez un peu à la bibliothèque, demandez des bouquins sur Kafka, renseignez-vous. Mais ça parle de quoi, ton Kafka? Ça parle du poids des réglementations qui s'additionnent les unes sur les autres et qui bloquent nos sociétés modernes. On s'en fout des réglementations, des contrôles, des limitations, des radars, Des caméras, les ghettos, les prisons. Il y aurait un petit coup à boire pour un forcené. Ok, allez. Allez, Nîmois, allez. Oh, oh, et Ville Saint-Alexandre, vive. Quelle ambiance. C'est le 14 juillet, putain. Oh, Nîmois, allez. Allez, Nîmois, allez. Si, c'est toujours le 14 juillet. Pas uniquement à cause du beau temps. Ça, un petit blanc? Non, pas aujourd'hui. Je dois me rendre à Marseille. Je dois prendre mon avion pour New York. Et j'étais juste venu vous dire au revoir. Mais vous n'avez pas que du Côte-du-Rhône à boire ici. Non, mais c'est réellement la boisson locale. On est fidèle quand même. Moi aussi, je l'apprécie beaucoup, mais malheureusement, c'est alcoolisé. Certes, mais juste ce qu'il faut. Pour se faire sucrer son permis. Vous devez connaître Kafka, au fait. Kafka? Non, pas encore. J'ai pas eu cet honneur. Tiens, justement, le voilà. Bonjour, monsieur Kafka. Bonjour. Désolé pour votre permis. Quoi? Il y aurait un petit coup à boire pour un travailleur de force? Merci. Je vois que ça n'a pas découragé le bougre. Qu'est-ce que je vous sers? Je prendrai volontiers un vin blanc. Et vous n'avez pas que des boissons alcoolisées dans votre pays? Je vous recommande une petite limonade bio. C'est un ami qui l'a fait. Alors, on va pour une petite limonade et un vin blanc pour madame. Appelez-moi Charlotte. Enchantée, monsieur. Pas de monsieur avec moi. Je m'appelle Sam. Je suis enchantée de faire votre connaissance. Ah, vous savez, ici, vous risquez pas de perdre votre permis. Ah, oh, et monsieur Kafka, alors? Non, lui, c'est un bonheur ici qui s'est fait prendre. Pas un partant, nuance. Désolé, mais je ne vois pas la nuance. En fait, nous avons mis au point une parade implacable, une boîte secrète. Ah bon? Ah, je suis curieuse de voir ça. Ah, mais vous allez voir ça tout de suite. Et si on s'asseyait pour voir ça? Je veux bien. Ouais, c'est moi. Et descends pour voir, là, il y a du monde pour toi. Allez, à de suite. Monsieur Kafka qui m'appelle Lotzig, tu le crois, toi? Hein? Et cette histoire de permis, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas besoin de permis pour conduire une brouette quand même, non? Hein? Et celle-là, tu la connais? C'est l'histoire d'un mec, il dit à son patron, ma brouette, elle fait cric, 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 cric. Et le patron,
ils le virent tout de suite. Alors le gars, il dit, mais hey, patron, ça va pas, ça. Qu'est-ce qui se passe? Et le patron, il lui dit, ta brouette, elle doit faire cric, 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 cric. Allez, dis-moi, allez, allez, dis-moi, allez, allez, dis-moi, allez, allez, allez. Dis-moi ça. Voilà, allez, oh, mais c'est quoi, il y a du matériel là. Oh, dis-moi ça, le bon. Oh là là. Aller graisser les rouages, hein. Allez, en avant. Ah, alors allez Nîmes, allez Nîmes, allez Nîmes, allez Nîmes. Attention, allez, oui, Thomas, one Nîmes. Oh là là, c'est pas gagné quand même, hein. Il y aurait un petit coup à boire pour un travailleur de force. Et celui-là, tu me l'oublieras pas, mais en attendant, va un peu t'occuper d'eux là-bas. C'est pas facile, le jardin. Ah oui, donc. Oh, le canon! Eh, parlons de canon, resservez-nous un, mademoiselle. Ah. Attendez, les gars, c'est pas son métier, c'est le mien. Mais qu'est-ce qu'elle va nous faire, alors? Oh, ça, tu vas le savoir en 2 secondes. Bah alors, par qui je commence? Ouh! Maman, maman, maman! Maman, maman! C'est ma femme, le roi. Et c'est quoi, ça? C'est, ah, les... Je... Eh, c'est les ballons, mais c'est pas les mêmes. Ah. Allez les garçons, il faut souffler. Ça va coûter cher. Allez mes crocos. On souffle. Allez mes crocos, il faut souffler. On souffle fort. Allez, un peu d'énergie là. Souffle. Allez, souffle le petit loup. N'hésitez pas à aller souffler. Un peu plus d'énergie. Allez, Marcel. Ah, les belles couleurs. Il était temps, hein. Ah oui, hein, ça. Hop là. Allez les gars, finissez vos verres et vous la suivez. À l'étage, à la cellule de dégrisement. Oh, on va faire des pièces. Bon, ça, hein. Oui, allez mes petits crocos adorés. Et n'ayez pas peur, hein, c'est pour votre sécurité et votre bien-être. Oh, on va pas se faire plier. Allez, on y va. Allez. Alors on y va. Oh là là. Et nous, on n'y a pas droit. Et vous savez bien que non. Oh, pour une fois, quoi, sois sympa, Jo. Ils ont pas de voiture et en plus ils habitent à 50 mètres. Ah, je comprends. Ils rentrent à 4 pattes. Allez, Angelo, mets-nous une tournée. Eh bien, plein de limonade. Non, finalement, je prendrai mon avion plus tard. Mets-nous plutôt 2 vins blancs. Ah, vous voyez, vous croyez maintenant. Elle va revenir au moins. Ça ne dépend que de vous, hein. Et qu'est-ce qu'elle leur fait? Et ça, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que quand ils sortent, ils sont frais dispo, et comme des gardes. Ouais. Remets-nous une tournée. À ce rythme, elle va pas tarder à revenir. Allez, on va dégriser un peu tout ça. Attention, hein. Il faut pas qu'elle fasse cric, 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 la brouette. Il faut qu'elle fasse cric, 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 cric. Allez, videz vos verres, c'est la mienne. Oh yes! Et si on passait au rouge? Ah, vous pouvez. Mais le tout, c'est le pari, le stop. Il y a votre gogo girl pour ça, si j'ai bien compris. C'est pas une gogo, c'est Betty. Vous l'avez pas reconnue? C'est pas vrai. Elle est mignonne comme tout, comme ça. Et surtout, très sexy. C'est comme ça qu'elle devrait nous servir la chevrette en chaleur. Ben voyons, c'est bien les mecs, ça. Et nous, alors? Angelo, enfile ton string, là. Le repas des filles du rugby a été bien arrosé, donc il faut que tu viennes avec tes ballons. Allez. Ah, d'accord. Vous aussi? Cool. Mmh. Reservez-nous, Angelo.